Pourquoi j'achète des rez-de-chaussée également dans mon parc immobilier? Je vais vous donner ma réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta. Si vous tombez sur cette chaîne, j'ai la chance et l'honneur de diriger la société investissementlocatif.com et c'est plus de 200 clients, peut-être et sûrement l'un d'entre vous derrière la caméra et je vous en remercie, à accompagner par an dans des opérations immobilières très rentables puisqu'on vous a accompagné à Paris, à Lyon, à Marseille, en Ile-de-France et bientôt dans d'autres villes puisqu'on a la chance d'ouvrir 3 villes prochainement, là dans les 3 prochains mois. C'est finalisé, on a contractualisé avec les personnes de l'équipe qui vont nous accompagner pour développer ensemble votre patrimoine immobilier. Vous m'avez sollicité beaucoup parce qu'on entend plein de choses sur les rez-de-chaussée, est-ce que c'est bien, pas bien. Et souvent, les gens disent « je ne veux pas de rez-de-chaussée » ou ils en entendent que du mal. Et je voudrais vous dire pourquoi une des dernières acquisitions que j'ai faites est en rez-de-chaussée. Ce qu'il faut arriver à bien comprendre, c'est qu'on est dans le cadre ici d'un investissement locatif. Donc, sauf cas extrêmement particulier où ce serait votre volonté, mais vous n'allez jamais y vivre. C'est un placement financier dans l'immobilier et il se trouve que les rez-de-chaussée bénéficient d'une décote importante qu'on va coupler la plupart du temps quand on souhaite ou parce qu'on voit une bonne opportunité en rez-de-chaussée, dédoubler parce qu'il y a la partie travaux, donc vous avez encore une décote dessus et que ça se loue de façon très facile. Je dis souvent, il suffit d'avoir un locataire, que vous ayez 1000 dossiers, 100 dossiers, 50 dossiers, 4 dossiers, il n'y en faut qu'un. Il n'y a aucune difficulté dans les villes dans lesquelles on intervient pour trouver un locataire de qualité avec un dossier sérieux et solvable. Et donc, ça nous permet tout simplement de faire des rentabilités extrêmement intéressantes sur ce type de produit. Alors, chez Investissement Locatif, notre leitmotiv, c'est d'être opportuniste, que ce soit rez-de-chaussée 1, 2, 3, 4, 5, peu importe, en dernier étage. Notre leitmotiv, ça va être de dire est-ce que c'est une bonne opportunité par rapport au marché? Est-ce que, bien entendu, c'est rentable? Et il se trouve qu'ensuite, dans la totalité, vous avez à l'intérieur des rez-de-chaussée qui sont rentables et qui sont intéressants. Donc, bien sûr, on les achète chez Investissement Locatif, sauf si le client, ça fait vraiment partie de ses critères qu'il n'en veut absolument pas. Moi, c'est plutôt un produit que j'aime bien. J'en ai plusieurs dans le parc. Là, en dernier, là, j'en ai encore pris un. J'en ai dans le 12e arrondissement. J'en ai deux en rez-de-chaussée. Dans le 12e arrondissement, j'en ai deux dans le 18e arrondissement qui sont rez-de-chaussée. Je détiens des immeubles de rapport, forcément vous avez des rez-de-chaussée puisque vous avez tout l'immeuble. C'est des produits qui sont extrêmement liquides sur lesquels j'ai aucun problème particulier de location. Et du coup, en fait, dans l'intégralité de l'immeuble, si on le décomposait la plupart du temps, c'est eux qui sont même un petit peu plus rentables. Ce type de produit bénéficie de beaucoup de clichés. C'était aussi pour casser ça, parce que trop souvent, l'erreur qui est faite par les investisseurs, c'est qu'ils se projettent comme s'ils allaient y vivre. Et effectivement, est-ce qu'à choisir, vous voudriez un rez-de-chaussée ou non? La plupart du temps, non, on préfère vivre en étage, et d'ailleurs plutôt en étage élevé avec ascenseur pour la luminosité, pour la vue. Mais c'est un produit qui, en termes de liquidité locative, va rester extrêmement liquide, où vraiment les gens vont prendre à bail ce type de logement. Donc c'est tout ce qui compte dans la chaîne et dans la création de valeur d'un investissement locatif, puisque c'est ce qu'on va chercher, c'est est-ce que ce bien est rentable, et la réponse, elle est oui. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous détenez dans vos biens immobiliers un bien en rez-de-chaussée ou si ça fait partie, bien évidemment, si c'est une bonne affaire, des biens que vous étudiez afin que ça profite à la communauté. Et peut-être qu'en termes de mindset, ça casse aussi des barrières, des clichés, des idées préconçues à toutes celles et ceux qui précédemment ne voulaient absolument pas regarder les rez-de-chaussée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres conseils. Ciao.